île de Mindanao, à l'extrême sud de l'archipel des Philippines. Le gouvernement de Cory Aquino vient d'essuyer un sixième coup d'État militaire, un coup d'État de plus qui, sans l'intervention américaine, aurait bien pu aboutir. Les putschistes ont fini par rentrer dans le rang. Aujourd'hui, l'armée régulière a repris sa lutte contre la guérilla maoïste. À Davao, capitale de l'île et troisième ville du pays, la tension est omniprésente, ponctuée par les attentats de la nouvelle armée populaire, branche terroriste du Parti communiste. Hélicoptères et blindés patrouillent sans cesse pour assurer un semblant de sécurité. À 50 km de Davao, en pleine campagne, un palais à l'abandon. Une des anciennes résidences du dictateur Marcos, elle sert désormais de quartier général aux unités anti-guérilla de Cory Aquino. Les troupes ne sont plus toutes fraîches, la plupart des soldats et leurs familles sont excédés, désabusés même. Une mission de 6 mois pour 15 jours de permission et 600 francs par mois de solde, un maigre pécule quand les prix augmentent sans cesse 15% d'inflation en quelques semaines. Certains jeunes officiers se plaignent d'un pouvoir qu'ils qualifient de corrompu, un état d'esprit qui explique que le dernier coup d'État ait été suivi par plus de 20% des militaires. Maintenant, c'est l'armée entière ou presque qui attend des réformes. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Depuis la fin septembre 89. Est-ce qu'il reste encore des rebelles communistes dans cette zone? Oui. D'après nos informations, cette région servirait de base arrière pour la rébellion communiste, de base de ravitaillement. Vous pensez pouvoir les neutraliser? Bien sûr. On va envoyer nos meilleures troupes un peu plus au nord, dans le district de Paquebateau, pour les traquer. Les autorités de Manille ont formé ces commandos spécialisés dans la chasse aux rebelles. Un groupe du 64e bataillon d'infanterie va renforcer les unités implantées dans les montagnes. Les affrontements durent depuis 1972. La guérilla n'a laissé que peu de répit à l'armée. Formés en Chine, les dirigeants maoïstes de la NPA mènent une politique terroriste qui s'apparente à celle du Sentier Lumineux au Pérou. Endoctrinement de la population, impôts révolutionnaires, assassinats de représentants de l'État, massacres, rackets, terreurs, le NPA compte actuellement 24 000 hommes équipés et entraînés à faire la guerre. Côte 381. À une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres, un village provisoire. La population s'est réfugiée ici sous la protection des militaires. Récemment, des massacres se sont déroulés tout près, sauvages tueries où ni femmes ni enfants n'ont été épargnés. Puis, la vie a repris le dessus. Villageoises et soldats subsistent dans une précarité organisée où le jeu, comme il se doit en Asie, tient une place essentielle. Mais les guérilleros, difficiles à repérer, ne sont jamais très loin. Leur tactique, hit and run, frapper et disparaître. Vous êtes combien de soldats à vivre ici? Une centaine. Les rebelles sont combien? En fait, ils sont infiltrés un peu partout. Ils obligent la population à collaborer. Ça facilite pas vraiment notre boulot. Ils sont combien en gros? Oh, je pense qu'ils doivent être environ une trentaine. Une poignée d'hommes qui terrorisent toute une population. Se battre dans la jungle philippine n'est pas une partie de plaisir. Parfois, le désespoir gagne, rapidement effacé par des souvenirs atroces.
6h du matin, des renseignements ont filtré. Les rangers du peloton Bravo partent à destination d'un village suspect. Plusieurs heures de marche avant l'objectif, mais là-bas, dans une clairière, il y aurait des guerrilleros. Les informations étaient donc justes. Le bilan est de 3 tués du côté des rebelles. 3 morts de plus dans cette interminable guerre. Pendant ce temps, à plusieurs heures de vol au nord, à Manille, les clans continuent de s'entre-déchirer pour le pouvoir. Ce pouvoir que la présidente Cory Aquino tente de conserver dans la tourmente.